Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Querelle intestine au sein du parti Nida Tounes, formation vainqueur aux élections législatives tunisiennes, mais dont la grande majorité des députés ne reconnaît plus aujourd'hui le comité exécutif du parti. L'épidémie d'Ebola a poussé les autorités ivoiriennes à interdire la consommation de viande de brousse, à un coup dur pour beaucoup de restaurants qui devaient leur succès jusque-là à ce type de viande. Et focus à la fin de cette édition sur Raïssa Lormezza, la première femme du Gabon à devenir journaliste sportive sur la chaîne nationale. En Tunisie, Nida Tounes, dans la tourmente, le parti vainqueur des dernières élections législatives et fondé par l'actuel chef de l'État, Béji Caïd Essebsi, peine à conserver son unité. Près de 60 députés ont en effet déclaré qu'ils ne reconnaissaient plus l'actuel comité exécutif du parti. Le point tout de suite avec ce sujet de Kekelia Feto. Nida Tounes dans la tourmente. La première force politique de la Tunisie et vainqueur des dernières législatives est au bord de l'implosion. En début de semaine, une soixantaine des 86 députés que compte la formation ont déclaré ne plus reconnaître l'actuel comité exécutif du parti. Ils ont donc appelé à un congrès national dès ce samedi 14 mars. Une initiative aussitôt rejetée par les instances dirigeantes du parti. Il y a une partie des contestataires qui ont décidé de se réunir. Mais les instances dirigeantes ont déclaré cette réunion comme nulle. Donc, et ils ont même menacé les gens qui vont y participer de les renvoyer du parti. Les choses ne sont pas encore assez claires parce qu'il y a des hauts et des bas et certains ont même contacté le président de la République puisqu'il est le fondateur du parti et son ancien président. Et ils ont essayé donc de l'impliquer comme médiateur, comme il l'a déjà fait plusieurs fois. L'élection de Béji Essebsi à la magistrature suprême a laissé un énorme vide à la tête du parti. Ses nouvelles fonctions ne lui permettent plus d'assurer son rôle de leader au sein du groupe. Depuis son départ, la formation traverse une crise qui couvait depuis bien longtemps. Essebsi ne pouvait plus rester à la tête du groupe puisque, d'après la Constitution, le président de la République ne doit pas appartenir à une formation politique. Il y a trop de problèmes qui se posent et même les partis qui sont en train de s'entre-déchirer ne parlent pas le même langage. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Certains parlent de légitimité historique, d'autres de vouloir progresser dans l'organisation du Congrès, d'autres de représentativité au sein l'Assemblée générale des représentants du peuple, puisqu'ils veulent inclure certains députés dans les instances dirigeantes. Donc vous voyez, c'est vraiment un vrai charabia qui s'est installé. Véritable force politique, Nida Tounes n'a jamais tenu son premier congrès. 3 ans après sa création, le parti ne dispose d'aucune instance de direction claire reconnue par tous. Un bureau politique devrait être élu le 8 mars dernier, mais le vote a été reporté en raison de dissensions internes. Toujours en Tunisie, sachez que 2 professionnels de l'audiovisuel, un animateur et un humoriste imitateur ont été arrêtés ce vendredi et seront jugés le 25 mars, notamment pour offense au chef de l'État, Béji Caïd Essebsi. La présidence a rapidement précisé qu'elle n'avait rien à voir avec ces poursuites. La distribution des cartes d'électeurs prend fin le 22 mars au Nigeria. Pourtant, à quelques jours de cette date butoir, certaines cartes restent introuvables. Un couac administratif qui risque bien de priver quelques Nigérians de leurs droits civiques. Reportage de notre correspondant au Nigeria, Afolake Oyinloye. Commentaire, Fanny Mounichi. Dernière ligne droite pour la distribution des cartes d'électeurs en vue de la présidentielle du 28 mars au Nigeria. L'opération prendra fin le 22 mars. À 2 semaines des scrutins, certains électeurs expriment leur scepticisme puisqu'ils ne sont pas encore en possession de leurs documents. Ceux d'entre eux qui n'ont pas retrouvé leurs cartes sont invités à remplir un formulaire. La commission électorale indépendante tente ainsi de les rassurer. The crowd are really reduced.
La foule a vraiment diminué. Il y a des gens dont les empreintes ont été prises, mais leur carte n'est pas prête. Alors, nous leur faisons remplir un formulaire que nous transmettons au département ICT. Mais ceci n'augmente pas vraiment leurs chances d'entrer en possession de leur carte. Je suis furieux, c'est mon 9e passage ici. La dernière fois que je suis venu, il y a environ 3 semaines, on m'a dit qu'on n'avait pas trouvé mon procès-verbal. J'ai vérifié le registre et on m'a donné un formulaire à remplir. Cela fait 3 semaines maintenant et ils ne peuvent toujours pas trouver mon procès-verbal. Ce qui signifie qu'il n'y a aucune chance pour moi de voter lors des élections. Pour réparer ces cas, la commission électorale a déjà prolongé plusieurs fois le délai de distribution des cartes. La dernière date limite de retrait des cartes est fixée au 22 mars. Et l'armée nigérienne de plus en plus offensive après avoir repris la ville de Madagali et celle de Bama. Elle a bombardé la ville de Goza, l'un des fiefs de Boko Haram. Une belle avancée nigériane conjuguée aux opérations tchadiennes qui risque de pousser les membres du groupe terroriste vers les frontières camerounaises. L'armée du pays est donc en état d'alerte. En Côte d'Ivoire, les restauratrices de la ville de Toumoudi sont au bord de la faillite. Elles devaient leur succès à l'agoutien rougeur, très très apprécié des consommateurs. Mais depuis l'ouverture de l'autoroute et surtout depuis l'interdiction de consommer de la viande de brousse à cause de l'épidémie d'Ebola, ces restauratrices peinent à faire salle comble. La clientèle se fait de plus en plus rare. Reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Les restaurants de la gare de Toumoudi au bord de la faillite. Le tracé de l'autoroute qui évite cette ville carrefour du centre de la Côte d'Ivoire. Le coup de grâce est venu de l'interdiction de consommation de viande de brousse à cause de l'épidémie de fièvre Ebola. Cette mesure de prévention sanitaire a eu des conséquences désastreuses pour les restaurants communément appelés maquis. Toumoudi est connu comme étant la capitale de la Gouti, un rongeur très apprécié par les consommateurs. Depuis la survenue de l'épidémie de la fièvre Ebola, sa consommation est interdite. On ne gagne plus de clients dans notre maquis. Dans le mois, on ne peut même pas faire un petit économie pour nous-mêmes. Nous les femmes, sauvez-nous. On ne voit plus les clients. Voici nos coins. Depuis le matin, ce qu'on a préparé là. 10 plats, depuis là, on est derrière ça. Et s'il y avait Agouti là, les gens qui voulaient manger Agouti là, ils pouvaient bien rentrer pour venir manger pour aller chez soi. Et maintenant là, tu n'as rien à ce que c'est. Même mon poisson là, tu vas aller manger. Tu vas passer ici pour faire quoi? Les restauratrices sont réduites à proposer principalement du poisson et la viande de bœuf qui ne représentent pas un avantage décisif comme l'agouti. Moi, je le passe à la maison, on donne une ronde. C'est pas quelqu'un qui rentre ici, on leur propose le poisson là, ils ne veulent pas manger. Ça coûte de la viande de bœuf qu'ils rentrent ici, donc maintenant ils ne mangent pas. Par exemple, la viande de bœuf aussi, là, ça les dégoûte aussi. Donc ils ne mangent pas. Nous, on veut que jusqu'à la fin de ce mois, il faut que Ebola là, ça finisse pour qu'on puisse manger de la viande. Sinon, ça ne va pas. Il y a beaucoup de dettes sur nous, on ne peut pas payer. Sans Ebola. Il y a beaucoup de femmes qui ont laissé le maquis, mais nous, on ne sait pas où il faut aller, donc nous sommes obligés de rester. Donc on veut que l'État n'a qu'à faire tout possible pour que l'Ebola finisse. Les restauratrices de Toumoudi ne sont pas les seules à souffrir de l'interdiction de consommation de l'agouti. La ferme expérimentale de la région qui ravitaillait les éleveurs d'agouti a dû s'arrêter de les fournir. Un coup d'arrêt à l'élevage de l'alacode, le nom scientifique de l'agouti. Âgée de 35 ans, mère de 3 enfants, Raissa Lormezza est journaliste, reporter et présentatrice à la télévision nationale du Gabon, Gabon Télévision. C'est surtout la première femme du pays à devenir journaliste sportive sur la chaîne nationale. Portrait d'une femme indépendante, compétente et persévérante avec ce reportage de Douglas Toutoum, notre correspondant au Gabon. Du haut de 1m65, Raissa Lormezza est la première journaliste sportive du Gabon. Cette jeune femme est également la présidente de l'Union des femmes reporters sportives du Gabon, une structure qui milite pour une plus grande visibilité du genre dans la profession et un meilleur rayonnement du sport et de ses acteurs au Gabon. Spécialisée dans le sport en 2001 et malgré les préjugés, Raissa Lormezza a réussi à se faire une place dans un milieu majoritairement masculin. C'est difficile, mais il faut dire que quand vous mettez en avant votre modeste compétence, vous montrez votre détermination et votre rigueur. Les hommes n'ont aucun mal à vous accepter. Quand vous êtes parvenu à démentir les préjugés, après c'est très facile de nager dans cette mer humaine.
Pour ses collègues, au-delà des défauts et des qualités de chacun, cette femme de 35 ans connaît et aime son travail. Elle est très souvent la dernière à quitter le desk et la première à arriver. Professionnellement, elle est très battante, elle est acharnée dans ce qu'elle fait. Ce que je retiens, c'est surtout son dynamisme. Elle est dynamique, elle est infatigable. Accompagner aussi loin que possible le sport gabonais et ses acteurs, c'est l'ambition personnelle de cette mère de 3 enfants. Une ambition qu'elle a réussi à communiquer à l'ensemble des reporters sportifs de l'UFRESCA. Je voudrais aller aussi loin que possible pour accompagner la nouvelle ère que vit le sport national avec ses champions que sont Géraldine Roberts, Anthony Obam, Rudin Zhang Milama, Stéphane Lasme, Pierre Emerick et bien d'autres. Je voudrais aller aussi loin que me permette la vie. Fédérer toutes les femmes des différents corps de métier de la communication autour de l'association pour une meilleure visibilité du genre. Promouvoir le journalisme sportif au féminin, le sport et ses acteurs en général, avec un accent particulier sur le sport féminin, sont entre autres objectifs de l'UFRESCA. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 dans un instant, une nouvelle édition du QG Weekend.